Je travaille dans une maison de retraite depuis maintenant de nombreuses années. Les maisons de retraite sont des lieux très normaux, avec leurs bons et mauvais moments. Les pires moments étant évidemment ceux où l'on perd nos résidents. Je ne vais pas vous mentir, parfois c'est un soulagement, mais bien souvent, c'est difficile comme moment. Nous voyons ces personnes tous les jours, nous nous occupons d'eux et ils nous racontent leur vie, leurs expériences. Certains sont très sensibles, d'autres très taquins. Quand il arrive le moment de leur dire au revoir, il arrive hélas que nous soyons plus bouleversés que leur propre famille. L'histoire que je vais vous raconter est arrivée il y a quelques mois. Vous vous doutez bien, dans un lieu comme celui-ci, certains instants peuvent être très étranges, certaines ambiances, des bruits ou même des situations. Souvent ce n'est rien, mais cette nuit-là, j'étais de service, et je m'occupais des résidents qui en avaient besoin. Pendant que je faisais ma ronde, une femme avec qui je m'entendais très bien avait eu un accident, et je m'occupais d'elle. J'étais seul dans cette partie du bâtiment avec les résidents. C'est alors que j'ai entendu marcher dans le couloir. Je me suis dit qu'un collègue venait m'aider. J'aidais la dame en tendant l'oreille, mais je n'entendais plus rien. Je me suis rendu dans la salle de bain de la chambre, j'ai pris une serviette, et c'est alors que j'ai entendu une voix de vieille femme me dire « J'ai froid ». J'ai répondu que j'arrivais avec la serviette. Le temps que je sors de la salle de bain, je me rendais compte que la voix n'était pas du tout celle de la dame dont je m'occupais. À peine je réalisais cela, que je sentais une main froide se poser sur mon bras. Je me retournais en sursautant. Il n'y avait personne d'autre que moi et la dame dans cette chambre. C'était effrayant, mais j'ai pris sur moi, j'ai fini de m'occuper de la dame, et je suis retourné avec les collègues. Après cela, j'ai passé la nuit à espérer qu'on ne m'appelle pas à nouveau. Mon ami et moi sommes allés manger au resto. On vit dans une petite ville. Un lundi soir, c'était donc assez calme. Quand on est ressorti, il devait être 21h, il faisait nuit. Comme l'éclairage était particulier, on a décidé de faire des photos ensemble. Vivant dans une ville avec un centre historique, les décors découpés avec la lumière rendaient vraiment très beau. Il y avait de longues et sombres ruelles, des portes de bois marquées par le temps, des sculptures oubliées de la plupart des gens, noircies par la pollution et le temps. Les hauts sommets des églises et les chapelles dessinaient comme de sombres silhouettes, grandioses et effrayantes. Les gargouilles nous surveillaient. Nous arrivions finalement au niveau du vieil opéra, un bâtiment autrefois superbe, mais qui désormais ne faisait que survivre au temps qui passait. Plusieurs personnes essayaient de le faire renaître de ses cendres, mais il fallait de l'argent pour cela, ce qui manquait cruellement. Mon ami posa face à l'opéra et j'essayais de trouver l'angle parfait. Quand des bruits de talons résonnèrent dans la rue. Alors que mon ami se retournait pour essayer de trouver l'origine de ces bruits, je retirai l'œil de mon objectif et nous découvrions avec stupeur une femme, habillée comme au 19e siècle. Une longue robe violette et un chapeau très élégant. Elle avançait vers l'opéra jusqu'à ce que, sous nos yeux, elle traverse la porte de celui-ci. Nous nous sommes précipités à sa suite, mais la porte qu'elle venait d'emprunter était condamnée depuis l'extérieur. Je me dis que j'aurais dû prendre des photos, mais cet instant était comme hors du temps, et quelque chose de presque irréel.
Dès que ma mère a su qu'elle était enceinte d'une fille, ma grand-mère paternelle est tombée amoureuse de sa petite fille. Elle tricotait des vêtements pour moi, cuisinait de bons repas pour ma mère, et elle parlait tout le temps de sa petite fille qui allait bientôt arriver. Hélas, elle était gravement malade, et même si elle s'accrocha de toutes ses forces, elle ne connut que ma première année de vie. Durant l'année après ma naissance, pendant qu'elle était encore parmi nous, mes parents la trouvaient souvent me berçant dans ses bras dans une vieille chaise en bois, dormant avec moi, me chantant des chansons ou faisant tourner le mobile pour m'apaiser. Mais son état s'est rapidement dégradé, et un jour, avant Noël, elle nous quittait, un an et demi après ma naissance. Après ses funérailles, mes parents faisaient du nettoyage et du vide chez ma grand-mère. Comme il n'y avait personne pour s'occuper de moi pendant ce temps, ils m'emmenaient avec eux. Ils m'installaient dans la chambre de ma grand-mère, entourée de couvertures pour m'empêcher de tomber en dormant. Ma mère et mon père m'ont raconté qu'il était souvent arrivé d'entendre le bruit de la chaise en bois de ma grand-mère. Et quand il disait son nom, le bruit s'arrêtait. Parfois, il m'entendait rire seul. Alors, il venait voir ce qui se passait et trouvait le mobile bougeant seul au-dessus de moi. Je refusais aussi de dormir dans le petit lit qu'ils amenaient, mais je m'endormais directement dans le lit de ma grand-mère. Après quelque temps, ces rencontres stoppèrent, puis devinrent un souvenir pour eux. Mais ils m'ont appris qu'encore aujourd'hui, j'avais plusieurs des vieilles habitudes de ma grand-mère. Ma grand-mère était revenue hanter sa maison pour pouvoir continuer à voir sa petite fille.